Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo dans laquelle nous allons parler de la dernière Bungie Weekly Update qui vient fraîchement de sortir aujourd'hui le 6 avril et on va parler bannière de fer. C'est donc le retour de la bannière de fer en mode domination prévue du 11 au 18 avril prochain. Elle débarquera comme d'hab à 19h et si j'accentue le fait qu'il est important d'y participer, c'est parce qu'il y a dans le carnet une étape à compléter qui consiste à être rang 5 de cette bannière, donc ne la loupez pas pour la prochaine saison. Alors pas de nouveau loot au programme malheureusement, pour l'arcaniste vous aurez un brassard et un gantelet, pour le chasseur cap et gantelet, et enfin pour le titan, gantelet et fanion. Et concernant les armes, on retrouvera le fusil auto et le fusil à pompe. Alors quelques petites infos contenues dans cette news, à savoir qu'un patch va probablement sortir très rapidement. Alors il n'est pas été annoncé, mais sachez que pas mal de petits problèmes listés sur les forums ont été pris en compte, comme par exemple votre jeu qui s'arrête lorsque vous activez les phalanges EAO, ou alors des fausses notifications incessantes du carnet d'exploits de l'âge de triomphe qui se valide constamment à l'écran, ou encore la progression du carnet d'exploits qui n'est pas correctement prise en compte pour certains d'entre vous. Donc les joueurs enfin qui ont précommandé Destiny 2 recevront leur code de bêta prochainement. Sachez que vous pouvez encore effectuer quelques précommandes auprès de différents revendeurs, le PlayStation Store, Micromania, Amazon, la Fnac et Cdiscount, à savoir que l'édition collector de Destiny 2 est déjà en rupture de précommande. Et enfin, dernière info, je vous rappelle qu'il y a le live de Bungie sur leur Twitch officiel qui aura lieu les 18 mai prochain, un live qu'il ne faut surtout pas manquer puisqu'il sera en rapport avec Destiny 2. J'espère que ces news vous ont plu, on se donne rendez-vous le 11 avril pour la bannière de fer, d'ici là portez-vous bien, geekez bien et à très bientôt. Ciao tout le monde!